messieurs, bienvenue à Taquinons la planète. Eh bien, quand on dit à mon premier invité que la police perd souvent la tête, il répond « Il n'y a pas de danger que ça m'arrive, Boswell. » Vous l'avez reconnu, Jacques Chevalier Longueuil! Chapeau. Alors, mon cher Longueuil, il paraît que pour jouer ton fameux personnage de l'agent Boswell dans la série Rapport de police, t'as étudié la psychologie des policiers en profondeur. Ben, je comprends. Bon, 15-20 minutes. Ah oui, pas plus que ça. C'est en masse. Puis, est-ce que c'est vrai que les gens ont raison d'être inquiets? Est-ce que ce sont tous les policiers qui sont violents, par exemple? Non, c'est pas tous les policiers qui sont violents. Il y en a qui sont juste sanguinaires. Non, en fait, les policiers, c'est comme les autres races. Là. Ça dépend du dressage. Il y en a qui sont dressés pour attaquer. Il y en a d'autres qui sont dressés pour faire la belle. Pour faire la belle? Ben oui, prends Régent Saint-Gelais. Là. Un excellent personnage. Oui, celui que j'ai créé pour toi. Là. Mm-hmm. Ce personnage-là, il a été envoyé par ses boss dans le public pour se faire insulter, pour montrer au monde que les policiers, c'est pas tout des EV. Et résultat? Ben, regarde ça! Non, regarde pas ça. Oui, c'est ça, Monsieur Régent Saint-Gelais. Ben oui, regarde ça, quand je dis qu'on la regarde, on la regarde. Bonjour. Monsieur Contrôle. Merci. Regardez ce qui est marqué ici. Ouais. Insultez votre policier, tabarnouche. Je m'appelle Régent Saint-Gelais de la communauté gouvernement Montréal. Ça vous tente de vous défouler, vous laisser aller un peu, là. Ouais. Insultez-moi. Une petite insulte, juste pour vous détendre un peu, là. Ah ouais, tu es con, toi. Je suis quoi? Tu es con, là. Après ça, je suis con. Pourquoi je suis con? Parce que tu m'as demandé d'insulter. OK, après ça, verbalement, maintenant. Bon. Donc, Après ça? Bon, il n'y a pas d'autre chose à dire, ben. Mais d'habitude, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on mange après ça? Mange de la marde. Ben oui, c'est ça. Ah non, insulte pas personne. Ah, vous êtes un homme poli, vous? Ouais. La police, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de la police? Ah, c'est du bon monde. C'est du bon monde, ouais. Quand ils dorment. Quand ils dorment. Ouais. Je m'offre à vous, là, si vous voulez vous défouler, insulter un policier. C'est beau pourri, tout ce que tu que je viens d'avoir, pour ça, ben, donne-toi 35$. T'as ça me coûte 36$, c'est 25, payer ça à la banque. Ben, tu fais... Tu vas t'en payer des beignes avec ça, ben, là. Ben, ça, j'ai faim déjà, moi, là. Demandez, vous recevrez, hein? Livraison gratuite. Merci beaucoup. Pas de problème, mais sans à l'aise. Eh, boy. Est-ce que je prendrais bien sa gueule un café, vous, là? Bonjour, monsieur, ça vous tente-tu de m'insulter? Non, je tue en direct, moi. Ah, ah. Bébé, ça. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Tu sais, il faut être pas absonné la police, trouve pas? Oh, oui, même si j'avais un job à 6$ à l'heure, il m'offrirait un job pour être beau, je l'accepterais pas. Ah non, même pas. Ah non, voyons, non. Un job de prisonnier, ça t'intéresserait pas? Ah, peut-être, t'as plus de respect qu'à être un beau aujourd'hui, il me semble. Ouais, je pense que oui. Ben, qu'est-ce que c'est niaiseux? Ben, oui. Qu'est-ce que t'as de plus que moi, toi? Tu m'as donné des étiquettes. Une pancarte, une tavernouche. Alors, vous êtes un moyen cochon, Régent. Un moyen cochon, tavernouche, oui. C'est comme un demi-poulet. Tout à fait. Okay. Un porc, okay. Un bœuf. Mm-hmm. Salaud. Puis petite sauce béchamel avec ça, tavernouche, puis la terre est en ketchup si je vais faire des jumeaux de cuisine. Alors, à part ça, qu'est-ce que je suis? Vous êtes laid. Yeah, c'est ça. Vous avez entendu de m'insulter un petit peu? Eh bien, trop beau pour ça. Tavernouche. Elle est correcte, elle. Puis on est un imbé? Imbécile. Un K? K. Là, un B? Un bébé? Imbécile, d'habitude. Hey! Ah oui, venez frapper-moi aussi, si vous possible. Ah oui? Oh oui, peut-être. Mais moi, c'est très fort. Ah oui, oui, j'y vais à moi, c'est sportif. Ah oui, vas-y, sportif. Envoyez le sportif. Tu vois, là. Ah oui, ben, vas-y. Hey, mon homme, un beau cadeau pour toi. Là, ça, c'est de l'insulte, ça fait du bien, ça. Un doublage sur la fermeture du fameux musée Juste pour rire. Mmh.
c'était tout à fait plus compliqué que ça. Ah oui? Mais est-ce que tu peux nous résumer ça quand même? Ben, en résumé, c'est l'histoire d'un coiffeur qui saute dans le vide et tu pourrais aller acheter des cigarettes à une souris blanche qui, elle se bat avec des vaches, qui, lui, il chum avec une vieille qui rit tout le temps puis qui parle de même un peu, puis ça se finit à la fin, là, ça finit là. Ah, bon. Écoute donc, Bob, t'as-tu fumé de la drogue? Des footloops, c'est de la drogue, tu sais. Non, pas à ce que je sache, non, non, non. T'aurais ça tough à rouler aussi. Ben, on regarde ça tout de suite. La famille Plouf. La famille Plouf. Hey, check-moi ça, mon Maurice, on va rire. Ah ouais, tu manges le beau fromage. Mange, mange. Ah ouais, le faux fromage, ben oui. Oh, hey, pas mal, là. C'est pas correct faire ça. Moi, là, je la connais, souris-là. J'ai déjà sorti 3 ans avec. Là. Pas correct d'essayer de prendre une souris avec une trave à souris. Ah, ben... Excuse-moi, c'est juste que j'avais peur de maganer mon plancher en la tirant aux 12. Ce qu'elle est drôle, on se croirait au musée juste pour rire. Elle serait pas mal en statue de cire, n'est-ce pas? Le cire d'oreille, ouais. Puis on pourrait y faire une belle petite chaise avec des Q-tips. Grand cave. Eh bien, vous ne le regretterez pas, cette femme est bourrée de talent. Elle peut même vous faire une imitation de des vaches. Mais tu es une femme de la morale. Gant and Gant. Ah, oubliez pas, là, personne ne m'a vu sortir de ma chambre, là, OK? Avis à tous les patients de l'asile, vous devez rester dans vos chambres. Puis toi, fais attention avec ta cravate. Ah, il me dira pas quoi faire. Je vais maintenant serrer mon nœud de cravate. Ah, pauvre toi. Je pensais jamais que tu monterais jusque-là. Dire que t'es rendu 6 piastres, le paquet. Mais c'est moins cher que du hache. On va sauter tous les deux dans le vide. Allons-y. Observez bien les mecs, je vais vous faire un petit commercial. Donc, vous me tirez des nouvelles. Alors, ça y va comme suit. Papa, papa, regarde, mes poux, on dirait que je les fais rire. Alors, tout ça, c'est à cause de mon coiffeur. Va lui dire deux mots, frérot. C'est vous, ça, le coiffeur? Allô? OK, 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 correct, correct. Arrêtez de vous chicaner, là, ça va assez mal de même. N'oubliez pas, les gars, que votre mère est emballée dans sa chambre. Fait qu'aussi bien en profiter. Va lâcher de la bière, oui. C'est fini. Merci beaucoup à la famille Plouf. Restez avec nous pour la pause. Gilles Robidoux taquine le monde des commandites. Encore 6 semaines d'hiver si la marmotte voit son ombre. T'avais pas ton ombre. J'ai l'hiver. Oh, j'ai été touché. Mais non, c'est une blague. Surnomme le Guy Lafleur de la Pichenotte et c'est bien plus à cause de sa moumoute que de son style. Mesdames et messieurs, Mademoiselle Gilles Robidoux! Monsieur Robidoux! Monsieur Pichenotte en personne! Bonsoir! Alors comme ça, vous êtes présentement à la recherche de commanditaires parce que vous participez aux Jeux olympiques de l'île de la Pichenotte. Envoyez-moi donc là-bas. On est envoyé aux États-Unis, ça continue. La pichenotte d'hiver est en démonstration à l'île Hammer. C'est la pichenotte avec du poil dessus. Là. Ouais. Et comme moi, je suis champion mondial, ma place est là-bas. Fait que j'ai besoin d'une compagnie qui m'embaucherait comme porte-parole pour payer mon voyage. Oui, ton voyage. Mais c'est pas évident là, d'établir un rapport, me semble, entre la pichenotte et un produit quelconque. Ça doit pas être fâchis. Ben oui, attends, c'est pas grave. Ça, t'as-tu vu l'annonce de Bœuf avec les patineurs Isabelle Brassard puis Lord Axworthy? Oui, Lord Hammer, c'est pas drôle. Oui, c'est excellent, ça. Ben, ça va pas ensemble, ça, le Bœuf puis le patin. Puis c'est pas grave, ils l'ont fait pareil, leur annonce. Mettons que toi, quand t'as mangé 3-4 burgers, t'as-tu le goût d'aller mettre tes patins puis pitcher une fille désert qui vient de se bourrer dans le roast beef? Donc, je comprends bien, là, vous seriez prêt à tourner ce genre d'annonce, faire des pubs comme eux autres. Ben, moi, je suis pas juste jouer dedans, je suis prêt à aller réaliser mes publicités. Oh! Les compagnies n'auraient rien à faire. Est-ce que vous avez un exemple? Ah oui, j'en ai fait une, c'est ça, je ne gagnerai pas de prix avec celle-là, mais que j'ai faite pour Air Canada. Oh, on regarde ça tout de suite. Ensemble, quand on s'en va à Littlehammer en Norvège, c'est pas mal plus le fun d'y aller en avion qu'en autobus. Et c'est entre autres pour ça que je préfère Air Canada à la STCUM. Mais c'est surtout parce que la STCUM, ils sont trop cheap pour me commanditer. Air Canada, on est moins cheap que la STCUM.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ben, je veux dire que je suis allé voir 4 compagnies pour pouvoir vendre mes publicités, puis il n'y en a pas une qui les a achetées. Et comment vous avez fait pour leur montrer ça? J'ai remontré ça avec la petite TV ici, puis j'ai pas pris de chance pour la commandite. Je l'ai piqué chez Aventure Électronique. Eh hey, bien, on regarde tout de suite vos tentatives, mon cher Pickpocket. C'est dans une compagnie de tabac que je suis allé vendre ma première publicité. Bonjour. Mon nom est Gilles Robidoux. Je suis le nouveau porte-parole de la compagnie. Est-ce que je pourrais avoir le représentant des marketing, s'il vous plaît? Non. Non. En attendant que la madame change d'idée, j'ai fait du PR avec le staff. Bonjour. Bonne journée. Merci. Là, vous allez manger. À quelle heure vous venez? 45 minutes. C'est bon. On va vous timer. 45 minutes, me semble, ouais. Une heure plus tard, je me suis réessayé. Moi, ça me dérange pas de pas voir le président, tu sais. Un vice-président, ça fait autant mon affaire, dans le fond. Ils sont tous occupés. 15 minutes plus tard, les agents de sécurité sont arrivés. Vous allez quitter, les lieux, s'il vous plaît. Là, on vous demande. Êtes-vous en train d'avoir l'air choqué, vous? Je peux pas croire qu'ils ont refusé une pub aussi winner que celle-là. Regardez. Les cigarettes light présentent les grands moments du sport. 17 novembre 1975, Gilles Robidoux affronte Yvon O'Landry. C'est le dernier lancé. Si O'Landry réussit, il remporte la victoire. Sinon, Robidoux gagne. Les cigarettes light, la cigarette des winners. Toujours aussi confiant, je suis allé chez Alcan pour leur vendre un concept en béton armé. Alors moi, je suis un spécialiste de pichenote. Et tu sais, Wayne Gretzky a popularisé le bâton en aluminium. Moi, je pourrais populariser la pichenote en aluminium. Ben, j'en ai parlé avec mon beau-frère hier, puis il me disait, si jamais je deviens porte-parole, il serait prêt à acheter 200 livres de papier aluminium pour sa rocaille l'été prochain. Vous allez cracher sur un concept aussi winner? Ça a l'air que oui. Fait que le gardien de sécurité est arrivé. Ben, j'ai des concepts pour les assiettes à tarte en aluminium puis pour toutes sortes d'affaires en aluminium. Même toi avec une moustache en aluminium, tu serais peut-être winner d'un discothèque à Montréal. Ah ouais, je suis sûr de ça. Fait que je suis parti puis ils n'auront pas ma belle publicité. Moi, j'aime beaucoup le poulet. Bonjour. Et quand j'en mets un au four, j'utilise toujours le papier d'aluminium Alcan. Sinon, je laisse faire. Parce que je respecte beaucoup trop la volaille pour utiliser d'autres choses. Alcan, votre poulet vous remerciera. Ouais, ben, Wonder Bra, c'est exactement la compagnie que j'ai besoin, moi. Voilà, monter, c'est pas un tâton, moi. Heureusement, je suis tout de suite tombé sur un patron intéressé à mes services. Passez dans ma salle de conférence. Votre salle de conférence. Pas prétentieux, d'abord. Hey boy! On parle d'une salle de conférence ici. Sortez-moi la scotch, Simonac. Fait que j'y ai montré ma pub, mais il a rien compris. C'est pas tout à fait de l'orientation de notre compagnie. Ah, vous t'es... Tant pis pour lui. Il en aurait vendu des soutiens-gorge avec ça. Voici un soutien-gorge avant que Wonder Bra le réinvente. Ensuite, il révolutionna le jeu de pichenote grâce à ses bonnets de coin bien galbés qui accueillent la pichenote avec confort et sérénité. Avec Wonder Bra, on dirait que c'est plus le fun de pocher. M'excuse. Finalement, je suis allé chez Kraft pour leur montrer la meilleure de toutes mes pubs. Vous alliez à l'entrée numéro 2, s'il vous plaît, monsieur. Ah non, faites-moi pas ce coup-là. Hey, je vais faire un maudit dehors. On est bien dehors aujourd'hui. Ben oui, mais va dis donc dehors, c'était si bien que ça, au lieu de rester derrière ton bureau. Fait que je suis allé à l'entrée numéro 2, puis je suis tombé sur la sécurité. Donc, vous essayez de protéger le secret du Cheese Weave? Finalement, j'ai rencontré le responsable de la sécurité. Non, s'il vous plaît, juste sortir à l'extérieur. Non, ben, il fait ben trop frais, j'attends monsieur Despatie. Il viendra pas, je suis allé le voir, il peut pas, il est en réunion. Ben, si le boss du marketing aime mieux les réunions, qui mange du poil? Regardez ce qu'il a raté. Quand je pars loin de chez nous, je veux du manger bien de chez nous. J'apporte toujours mon cheese with Velveeta, single crackle barrel, et Kraft Dinner. Kraft, la compagnie qui se spécialise dans le jaune orange. Gilles Robidoux, mesdames et messieurs.
cherche un nouveau porte-parole ou un, c'est pas, un mari, ça pourrait faire des beaux week-ends. Ouais, reste avec nous après la pause, un autre épisode de Rapport de police au programme ce soir. C'est qui n'a jamais battu personne, au paquet voleur, bien sûr. Et j'ai nommé l'agent Nulcé, alias Bob Billette, mesdames et messieurs. Toujours ton fameux rôle de l'agent LC dans la série Rapport de police, mais pourtant t'es tellement poche comme comédien. Ah, oh, me trouve pas, je pense que je suis un excellent comédien. Me semble, oui. Hein, ouais. Puis est-ce qu'avec la série, là, qui est quand même assez populaire, est-ce que ça t'arrive que les gens te reconnaissent sur la rue? Ah, oh, oui, t'es dans quoi hier, là, drogue, pout-pout, tout, mon gars. Ah, t'es chanceux, y a pas de danger que ça m'arrive à moi, ça. Ben, tu te couches à la ligne blanche comme moi, puis pout-pout, tout le monde klaxonne, genre, toi. Puis est-ce que ça t'arrive aussi de signer des autographes? Non, ça, c'est trop long un peu. Comment ça? Ben, la dernière fois, t'as pris au moins 2 heures avant qu'il n'y ait un qui me demande un autographe. Oh! T'es un aveugle, en plus. OK. Eh bien, avant que tu sois oscarisé, c'est un terme que je te montrerai durant le reportage, ah. On regarde maintenant Rapport de police. Ah, c'est ça qu'on regarde. C'est... Rapport de police. Avec Jacques Chevalier Longueuil dans le rôle de l'agent Maswell. Dans le rôle de l'agent E.C. Deux excellents comédiens, mesdames et messieurs, l'agent LC, l'agent Maswell, et un merci en particulier à
pour cette édition de Taquinons la planète. Revenez-nous lundi prochain, 19h30. Bonne semaine, excellente semaine sur Radio-Canada. Oh, c'est une oreille.